Bonjour à tous, ici Sprudex et bienvenue dans ce 19e épisode de Let's Play sur Pokémon Quest. Alors, on a de nouveaux Pokémon. On a donc un Ponyta qui vient d'arriver, niveau 30, ok. Tu vas servir de Punching Ball pour Galoppa. Et on va prendre les 50 coupons gratuits. Très bien. Ok. On est toujours donc avec nos Pokémon. On va commencer tout de suite par un petit échauffement. Merci de jouer à Pokémon Quest. Voici un cadeau de 500 coupons BP. Ah, ça c'est sympa. Même si ça ne me sert à rien aujourd'hui. Enfin, quoique. Ah, quoique si, pour gagner plus d'XP pendant les quêtes. À la limite. Comme ça, vous, ça vous fait un peu moins attendre. Donc c'est quoi? C'est le ballon Mirouge, je pense. Non, nombre d'ingrédients après un recyclage. Taux d'apparition avec plusieurs encoches. Taux de réussite des exercices. Point d'exploit obtenu après les exercices. Taux d'apparition des ingrédients. Et là, ça commence à devenir. Ok, non. Je pense attirer plusieurs Pokémon en. Ouais, il me semblait pourtant qu'il y avait. Le taux de réussite des exercices. Point d'exp avec les exercices. Ouais, bon, bah dommage. Il me semblait que. J'ai rêvé. Bon, bah pour l'instant, on n'utilise pas alors les coupons. Ok. Eh bien, on y va tout de suite. On a quoi? On a 8007. Plus 2, ça fait 10007. Plus 600, ça nous fait 11300 environ. Donc le 10800, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ça devrait, je suis pas sûr. Allez, en automatique. Bon, déjà un Mystherbe. Galoppa. Ok. Encore des Mystherbes. Galoppa, ça c'est ton rayon, hein. Donc, voilà. Encore des Mystherbes, très bien. Derrière vous, allez. Fait. Encore et toujours des Mystherbes. Alors, est-ce que ce serait pas un Aspicot en plein milieu là? Si, c'est un Aspicot. Et bien entendu, Zut. Ah, les évolutions de Mystherbe, j'ai un doute. Ouais, je reviens plus sur le nom. Ortide, voilà, j'ai trouvé. Merci d'avoir soufflé dans les commentaires. Ou pas, hein, bien entendu. Très bien, pour l'instant, ça se passe sans problème. Bon, Aspicot, un tout petit peu plus compliqué, hein. Mais rien d'insurmontable. Ok. C'est parti pour la vague du boss. Un Rafflesia. Avec des Mystères et un Ortide. Donc là, pas de problème, hein. Normalement, avec Galoppa, un bon Pokémon Feu.
Allez, sur Ortide là. Faut terminer Ortide. Voilà. Et maintenant, tous sur Afflesia. Attention au lance-soleil. Hop, recule, recule, recule. Recule, recule, recule. Bon, bah, le lance-soleil, c'est trop. Ok, on va récupérer parce que ça nous fait 9 et 5, 14 à récupérer. 14 ingrédients. Ça se prend. Ok, bon, on va diminuer un tout petit peu la difficulté. Le 10 500, on l'a déjà fait, on le refera. En automatique pour commencer. Fait pas de problème, le gros doudou, ça devrait aller. Très bien. Allez, racaillou là. Voilà. Très bien. Le Mélodelphe et les Mélophées. Presque à terre. Au moins il a fait son œuvre et il a redonné. Voilà, très beau ça. Petite gemme dorée comme ça, sortie de nulle part, même si c'est de la merde. Ça va être intéressant. Je pense que je vais acheter le. Avec les coupons BP que j'ai eu. Le recyclage qui donne deux fois plus d'ingrédients. Ça pourrait être intéressant. Parce que les gemmes, on va en recycler, hein, ça. Allez, Grolem. Allez, Onyx. Vous pouvez le faire. Bon, Grolem, il va peut-être être KO. Mais d'un autre côté, tant qu'Onyx est debout et que bah, Galoppa revienne. Hop, allez. Voilà. Galoppa. Tu recules.
Voilà, allez. Donc là, je fais à la main. Hein. Voilà. Voilà. Chaud, mais on y est arrivé. Jolie. La gemme dorée, elle est super belle. Ok. Et donc, ça veut dire... on va retirer tout ça et on va remettre en automatique pour avoir les meilleurs. Dont la gemme dorée. Ensuite, on passe à Onyx, on fait la même chose. Très bien, et on passe à Galoppa, on fait exactement la même chose. Mais là, on aura aussi une gemme dorée, je pense. Non, même pas en fait. Bon, ben soit. On a pas mal à recycler, donc oui, je pense que je vais prendre l'objet qui sert à recycler les gemmes. Alors, nous avons un Galoppa 67. Eh bien, on a un Ponyta 40 et quelques, il me semble. Non, 30. Qui va se faire un plaisir de donner de sa personne pour faire monter en XP Galoppa. Ok. Et c'est tout. On va passer à l'achat, comme ça c'est fait. Décoration. C'est pas ça. Nombre d'ingrédients obtenus. Acheté, c'est 400. Voilà, ballon miaous qu'on va aller poser tout de suite. Ok. Sur 5, ça je m'en fous. Décoration. Ballon miaous. Que je vais poser là par exemple. C'est très bien. Voilà. Et maintenant, si je recycle, ben, j'aurai deux fois plus d'ingrédients. Recyclage. Voilà. Oui. Ah oui. Ah, quand on voit tout ce que j'ai recyclé, oui, c'est ça fait plaisir. Et on continue, on refait le même. Enfin, le 12900, non, c'est trop, c'est trop. Le 10500, c'est très bien. En automatique. Parfait. Encore le caillou. Voilà. Suivant. Alors, on a Grolem qui dort. Ok, c'est bon. Encore Mélof... Non, Gros Doudou. Gros Doudou.
Et on a Galopa qui est quasi à terre. Enfin, c'est pas grave. Galopa est surtout là pour donner la vitesse, en fait. Hein. Même si c'est le plus haut niveau et que... voilà. On va peut-être repasser sur des psys après. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Enfin, je voudrais d'abord voir ce que j'ai avec la marmite et ensuite on avisera de ce qu'on fait. Alors, Galopa, tu vas vite tomber à terre. Ce qui est bien, c'est Galopa qui a pris tous les coups, quoi. Voilà, très bien. Fait que maintenant Onyx et Grelem ont le champ libre mais non plus vitesse. Galopa va vite revenir quand même. Très bien, déjà 10 ingrédients et une gemme, donc aux environs de 15-16 ingrédients maintenant. Pas trop à s'inquiéter. Et c'est fini ou pas? Voilà. Très très bien. Ok, pas mal de gemmes. Enfin, deux gemmes et pas mal d'ingrédients plutôt. Eh bien, on va peut-être recommencer encore une fois. Je vois 0. Donc il y a 0 gemme correct. Je supprime toutes les gemmes inutiles. Ouais, de retour, plus 16, plus 6, plus 16, plus 4, plus 16. Hein, c'est joli. Ok. Eh bien, on y retourne. Toujours 10 500. En espérant au moins que Ponyta... pardon. Galopa monte de niveau maintenant. Parti. Ok. Pour l'instant, pas de perte de vie, ou quasi pas. Allez, voilà, c'est mieux. Il y a juste Gros Doudou qui va poser quelques petits problèmes, hein. Rien de... voilà, mais le fait à terre.
Ok, ça va. Et toujours le Médodelphe. Ok. Pendant qu'il tape, je pense ne pas vous l'avoir dit, mais le jeu est sorti sur mobile. Donc Android et iOS, hein, c'est le même jeu, sauf que bah, plutôt que d'avoir une Switch, vous le faites sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ce qui peut être utile pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter une Switch. En tout cas, que pour ce jeu-là qu'ils auraient envie d'acheter une Switch. Ne le faites pas, vous l'avez sur votre smartphone si vous le voulez. Galopat à terre. Parfait. Donc, 13 ingrédients, 2 gemmes. Galop à qui monte 68. En plus, les gemmes de puissance, ça c'est haut niveau, ça c'est bien. Alors, premièrement, on va voir le nouveau Pokémon qui arrive. Le ou les, hein, puisqu'ils peuvent être deux. Ok, c'est parti. Bouillon 3D, 2 étoiles, mais petit niveau. Un Magnéti. Niveau 3, donc ouais, forcément. Mais maintenant qu'on récupère beaucoup plus d'ingrédients, on peut passer sans problème. Voilà. On peut passer sans problème donc au chaudron d'argent. Très bien, on va équiper avec les nouvelles gemmes nos Pokémon. Très bien, Onyx le suivant. Parfait, et enfin Ponyta les derniers. Ok. Très bien. Alors, 8924 contre les 10800, ça peut-être le faire. Que ça nous fait quoi? Ça nous fait 11600. Ouais, 11650 environ. On va tenter. Là, normalement, pas de problème jusqu'au boss. Hein.
Les mystères m'en veux-tu en voilà, hein. C'est pas un aspicot en fait, c'est un cocon fort. C'est pour ça que j'ai du mal, puisque le cocon fort a beaucoup de défense. Enfin là ça a été. Il n'y a plus qu'à le raflésia. Le raflésia avec son lance-soleil, il est violent, hein. Alors. Ok, Orchidataire. Il reste plus qu'à plaisir. Que raflésia, pardon. On y va. Pour l'instant, ça va. Un coup de lance-soleil, mais ça peut encore aller. Dégager. Oui, dégage au mauvais endroit, quoi. Bah, toi, tu dégages. Bah, bon, bah, voilà. On va récupérer. Ok, on va peut-être changer de tactique. Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon assez haut niveau et qui pourrait convenir? Bah, on a Alakazam qui est niveau 43. On a un Crustabri qui est niveau 43 aussi. Est-ce qu'il a Crustabri encore comme... voilà. On lance Laser Glass, pardon. Laser Glass contre des plantes, ça pourrait le faire. Mais en même temps... Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici à 9009 et on n'a pas de bonus. Et on est à 8009. Est-ce qu'on a de l'électrique pas très loin? Non, on n'a pas d'électrique sur la première page, donc c'est déjà très mal parti. On a Pikachu niveau 14. Ça fait un peu bas. Je réfléchis. Qu'est-ce que... Quel est le niveau du psy? 11006. Ouais, enfin, c'est... C'est toujours la même chose, hein. Alors, le 8002 ou le 10005. Bon, bah, je vais faire le 10005 et on continue l'XP, hein. Pas trop le choix.
Donc là, je suis juste bloqué parce que les Pokémon qui arrivent ne sont pas intéressants par rapport à ce que j'ai besoin. En automatique, bien entendu. C'est bien, ici les Mélophées et le gros doudou. Hein. Maintenant, faut XP. Alors ça avance, mais gros doudou, on a du mal, hein. Galopa est bientôt à terre. Allez, allez. Voilà, troisième vague. Bien. Alors voilà, Galopa a mis la vie. La vitesse, pardon. Là, Galopa, s'il tombe KO maintenant, c'est pas grave. Voilà, très bien. Bon, il y a nos deux amis qui dorment. Allez Onyx, t'es dans un coin là, ça sert à rien de tirer autour de toi. Y'a personne autour de toi. Voilà, Galopa qui est revenu. Un peu plus frais que tout à l'heure. Y'a Grolem qui est parti faire une sieste. Attention, il ne reste plus qu'Onyx. Allez, allez, allez. Ouais, là j'ai un gros doute, hein. Allez, recule, recule. Recule, j'ai dit. Ouais, voilà. Ça arrive. 12 ingrédients. Je récupère. Alors, il faut aller voir les bonus qu'on a ici encore. Donc, les batteries. Professeur Pokémon 10 BP. Très bien. Recycleur de gemmes 5 BP. Objectif poison du rouge. Ok. Et on a encore droit à un essai. Ici.
Eh bien, on est parti pour une dernière fois faire Mélodelph. Hop, en automatique, bien entendu. Alors, ça avance un peu à la fois quand même, hein. C'est pas négligeable, mais on peut mieux faire. Doudou, on a toujours du mal avec lui, hein. Alors ça avance bien, hein, mais pas assez vite à mon goût. Voilà, suffisait que je le lise pour qu'il détermine. Allez, Mélodelph. C'est parti. Un peu de vitesse pour nos Pokémon. Alors Onyx est à terre, ça c'est un peu plus embêtant. Problème à terre et voilà, galopin à terre. Huit ingrédients. Allez, je récupère. Et voilà, bon ben on n'a pas avancé beaucoup, mais on a vu des choses. Je vais quand même vérifier que au niveau GM c'est bon. Eh bien non, parce qu'on a mieux en fait. Voilà. Très bien, alors Onyx, tu te débarrasses aussi, automatique. Oups, et enfin Galoppa. Voilà. Et en automatique, voilà. Ok, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour qu'on essaye d'arriver plus loin. Hein. Toujours.
En attendant, ben, mettez des commentaires sur ce que vous pensez du jeu, si vous avez une compo idéale ou pas, enfin, des trucs comme ça. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et surtout, portez-vous bien. Bye!